Parlement, oui. Parlement pas signalé, non? En tout cas, ça qui passe hier là, également ça qui passe aujourd'hui, et l'itrelet pour pays. OK? Alors, et maintenant nous en retard parce que Esaïe ensemble avec moi, nous avons rendez-vous, ambassade de France. Parce que nous connaissons que nous faisons partie d'une délégation de journalistes qui ont quitté pays, qui peut aller Bénin. Donc du 10 au 19 mars 2018, m'a profité de saluer tout employé ambassade de France et qui t'a accueilli. Donc le côté matin, l'ambassade là, qui t'a accueilli. Donc et Esaïe et César et Jean-Ismaël Valestin et tout le journaliste donc qui t'a le rendez-vous matin. OK. Donc rendez-vous Bénin dimanche. Donc n'a tourné sous ça et pendant l'émission donc jeudi et mardi et 27 février 2018 là. Je veux dire penser que nous face à nos responsabilités. Nous toujours dit dans l'émission matin débat quand ça va mal pour Haïti, ça ne va pas seulement mal pour le président de la République. Ça ne va pas seulement mal pour un ministre d'État ou un homme ou une femme d'État. Lorsque ça va mal pour tout le monde. Je veux dire, regardez le visage du chef d'État et de gouvernement et CARICOM. Où est que vous pas content? Où est que vous gagnez? Il y a des angoisses, yo. Où est la figure, yo? Il y a pas où qu'il est pour yo finir avec et sommet ça, tellement que yo mal à l'aise parce que ils ont été mal accueillis. Parce que je dis, quoi que nous clair, question de protocole, mes amis, c'est le minimum, oui, que vous capable de baïté tout, leur recevoir moun la carte, c'est le minimum. Et je dis à tout, parce que, il faut que nous battons bravo pour un acte encore régional de Boulos qui prend l'initiative là pour faire une grosse convention de center. Parce que nous avons besoin de ça dans le pays. Nous n'avons pas d'espace pour nous recevoir. Ça qui est là, il est trop petit. Nous avons besoin de gros projets pour le pays. Il faut que nous suspendions réfléchir en petit couloute. Il faut que nous suspendions réfléchir à petit bagage, petit projet, petit espace, petit table, petit microphone, il faut que nous suspendions, réfléchir à ça. Et là, avec le chef d'État, il est dans les Caraïbes, là, il vient là. Mais semaine prochaine, on va le tenter, oui, parce que il y a chaque vin là avec journaliste. Ah oui, alors premier bagage, c'est que les journalistes haïtiens, hier, ils étaient mal reçus. OK. Et te mettez un autre. Mais question de protocole. Journaliste haïtien dit, yo, ouais, tout journaliste étranger, yo, ensemble avec tout le monde, bye. Et puis, yo, même, il fait mieux, non? Très bien. Non, écoutez. Son première intervention, il fait dans la radio, pim, il veut venir chercher. C'est un manque de respect. Après ça, Parlement. Même que ça, Parlement, même si vous pas respecté. Non, mais. Non, écoutez. On va faire discours. Parce que étranger, là. Les villes là, Louko. C'est tout petit bagage, là, noté, oui. Non, je suis d'accord avec vous. Mais pour nous, même si on va passer par le Parlement bien, pas de problème ça. Parce que vous avez un Parlement là, écoutez. Mais c'est l'institution, c'est pas. Mais vous l'avez bien, vous l'avez bien. Ok? Mais il faut que nous corrigions les choses. Qui est capable, je dis, de nous dire que nous mettons nous ensemble pour nous relever l'image du pays? Je crois que je dis, nous sommes capables, Chita, d'envoyer monter une sous l'autre. Ok? Je ne sais pas que je suis capable de vous monter sur l'autre. Parce que nous faisons pendant des années, nous faisons pendant deux siècles, je dis, mes résultats. Haïti est la risée de tout le monde. Mais maintenant, dans le pays où, les gens qui viennent à critiquer pour se comporter dans le pays. Mais même parce qu'on n'est qu'à parler de la radio, on a certaines responsabilités. Et ce matin, je tiens à faire cette mise au point qui est assez importante. Matin débat sur l'émission qui gagne 6 mois dans le pays. Et Louko Désir, résultat que je gagne avec Matin débat, je pas résultat ça déjà dans 3 autres radios. Donc c'est pas un hasard que je dis, Louko Désir, une émission qui réussit et que c'est Louko Otende dans le Sahara. Parce que j'ai un secret. Mais je dis à tout, en tant que citoyen, en tant que monde, en tant que personne humaine, nous avons responsabilité face à mes auditeurs. Nous avons responsabilité face à cette nation. Mais c'était vraiment douloureux
Hier, je m'attendais un journaliste qui était traité le côté des journaleux dans la radio dans Pétionville qui a défendu un sénateur parce que les sénateurs font erreur. C'est comme, en fait, faire l'apologie de la médiocrité dans ce pays. Écoutez, soyons sérieux. Moi, je dirais à ce journaliste-là de cesser parce que mon bouquet avait. Dans l'émission Matin Débat, nous avons passé un audio qui a rapport avec le sénateur Ronnie Célestin. Côté qu'il te font faute, ou il te parle d'injonction, il parlait de injection. Écoutez, l'erreur, c'est du domaine de l'homme. Qui est-ce qui n'a pas fait erreur? Et puis en plus, c'est un sénateur de la République. Quand on est un citoyen dans la rue, il a fait erreur. On ne peut pas parler de lui, la passer inaperçu, mais un sénateur de la République. Le sénateur a fait erreur, c'est normal que tout le monde ait erreur. Et je veux dire, ce n'est pas jouer pour le sénateur, jouer parce que l'ouko décide de passer au dieu. Je veux dire, même en tant que journaliste, ce n'est pas encourager, pour encourager le sénateur parce qu'ils font erreur. Et ce qui est pire dans l'intervention de ce journaliste, lui essaie de comparer Ronnie Célestin et Patrice Dumont qui sont intellectuels. Et puis, lui dit que, à regarder qui ça, sénateur, fait dans le département par là. Mais ce que vous devez comprendre, mon frère, si sénateur ça, il pour le déplacer, le quitter le pays, il va le représenter Haïti dans le sommet mondial ou dans nos conférences internationales, ils font erreur qui est aussi grave comme sénateur de la République. International, là, il ne peut pas regarder, il ne peut pas regarder ça, sénateur, fait dans le plateau central, non? International, là, pour juger Haïti, parce que ce sénateur-là, ils font erreur, et là, il fait erreur devant tout le monde. Et je dis à moi que l'exemple que l'on doit donner, le modèle que l'on doit être dans ce pays, il faut que nous quittions derrière tout intérêt mesquin. Et je dis, même si qu'on a une petite qui la caillou, depuis qu'ils font des ordres, c'est pour réprimander. Si vous avez un ami et que vous avez l'habitude de lui rendre service, si les amis font mal à qui passe, il faut qu'il y ait courage pour dire aux amis, ça pas bon, mais qui j'en pour le faire. Mais là, qu'on prend monter au créneau parce que vous avez un problème en fait, de végétariat avec le goût désir, et vous prenez ça, et puis, pour montrer que l'innormal, c'est en fait cautionner cette médiocrité, c'est faire l'apologie de la médiocrité dans ce pays. Donc, si vous avez un journaliste qui est dans la dimension, ça, qui gagne tout ça, là, je dis, comme bien dans le pays, pour d'accord qu'un sénateur fait erreur, et puis qu'on y a rabattu sur un nègre, qui c'est un journal, côté des journalistes, qui diffusait un audio qui grappe avec erreur. Et puis, vous comparez, on a qui fait toute carrière comme professeur, Patrice Dumont, avec un aide, malheureusement, qui pas fait toute l'école ça, qui pas fait toute classe ça. Et puis, on a pour dire que l'innormal, que les nègres font erreur et que c'est normal. C'est un sénateur de la République. Écoutez, mon frère, je pense qu'aujourd'hui, pays ça, l'abgado. Et l'abgado, il y a des gens qu'on y a parce que vous avez fait du tort à cette nation. Moi, je vous invite à arrêter. Il faut stopper, mon frère. Parce qu'on en a marre de trois dans cette société. Pour comportement, pour gens penser bagaille. Parce que tout le monde qui est souillé aujourd'hui, on va continuer à faire. Écoutez, si vous voulez attaquer le Codésir, madame, monsieur, laissez-moi vous dire une chose ce matin. J'ai appris hier soir que ce journaliste-là, il est en combinaison avec d'autres officiel, député sénateur, pour monter un complot contre le Codésir. Moi, je vous dis, messieurs, je vous attends. Et je suis prêt. Je vous attends et je suis prêt. On toujours dit, si on a fait bêtise, ce qui était dossier arrivé ce matin débat, les papes épargnés parce que bêtise, c'est bêtise pas. Et je dis, le Codésir, n'a pas que je prends précaution que je prends. Le directeur général de l'ONA, M. Cécile Pierre, n'est pas arrivé même ensemble avec moi. C'était son anniversaire pendant le week-end. Il m'a invité à sa fête. Je n'ai pas été comme ça parce que je connais que journaliste ça va plat. Parce que je n'ai pas besoin qu'un nègre, je dis. Ni Joseph Lambert, ni Joseph Sancy, pour prendre même vous dire, monsieur, on nous réconcilie. Je n'ai pas besoin de ça. Et je n'ai pas besoin de ça dans le monde. Mais je dis, pour attaquer le goût de dire, bon, j'en vous faire, mon frère. Il faut qu'il y ait un argumentaire. Pour attaquer le Codésir, il faut qu'on soit honnête.
Et question honnêteté, tout le monde connaît qu'on pas gagner là en moment. Pour attaquer le gros désir, il faut planer plus gros. Faut quitter de côté tout petit intérêt mesquin. Défendre un sénateur qui a commis une erreur. Son mari normal, lui. Mais qu'on a défendu un sénateur pour monter au créneau contre le gros, parce qu'on mal fait. Parce que même si sénateur, qu'on a habitué, acheter tout clairin, leur bras fêté qui coûtait 20 000 à 30 000 dollars américains, pour porter la caillou, leur fait fête. Même si sénateur, n'a pas compté au mobile qui l'a caillou, qui évalue presque à 2 millions de dollars, ou gain accès à n'importe qui machine dans le sénateur, même si sénateur, qu'on facilite des contrats dans l'État, écoutez, c'est quand même un ami personnel. Faut qu'il y ait courage pour dire sénateur comme Zamiou, écoutez, ça va bon, mais qui a le défaite. C'est pas attaquer le Gaudesi, son héros, un officiel, un homme d'État fait nos pays, ou qu'on éducation, on jeunesse qu'on fait, ou qu'on pays, qui a effondré dans nous pour question médiocrité, nous-mêmes dans la radio, on a combattu pour nous, est-ce qu'on est capable de permettre qu'il y ait d'autres monde en termes de qualité qui rentrent dans l'État. Et puis qu'on a pour nous, même encourager, il y a un sénateur qui font erreur. Et puis pour monter au créneau contre un journaliste, contre des journalistes, qui passait, qui diffusait audio, et pour essayer de comparer Patrice Dumont, professeur de carrière, avec sénateur ça qui m'a fait toute classe de l'école. Lui. Écoutez, mon frère, les intérêts personnels, il faut les mettre de côté. Parce que je vous dis, dans la situation où il y a dans le pays, ça, c'est nous tous qui appelons. Et sénateur ça, comme je le dis, si sénateur ça, c'était non conférence internationale l'Italie. Si c'est non sommet mondial l'Italie, l'Italie représente Haïti comme homme d'État. Il fait erreur ça, c'est pas de plateau central dont on va parler. Je ne vais pas parler de qui ça fait dans le plateau central. Je dois parler Haïti mal. Écoutez, il faut grandir, mon frère. Il faut mettre de côté tout orgueil. Okay? Parce que orgueil pas qu'à faire métier ça. Et si vous décidez de faire métier ça, avec orgueil, vous avez toujours l'aide. J'en connais l'aide, je dis. Parce que je dis à tout le monde que vous l'aide. Parce que ce que tu voulais, en fait, prenez. Soit vous voulez voir comme image là. Mais ou même encore, ou détruit propre tête pas ou. Ou pas nous compte de ça, ou détruit toute nos sociétés en voulant attaquer le corps des yeux. Ou pas que chaque fois attaquer le corps, ça passe. Sous terre à 10, sous descendre à 5. Ou pas ça? En tout cas, moi, ce matin, je t'invite à changer de stratégie. Et si c'est le corps des yeux, votre cible, toi-même et tes amis, je dois vous dire que je ne suis pas venu de cette terre. Il faut quand même le comprendre. Je ne suis pas venu de cette terre. Je ne suis pas de la capitale. Ça faut qu'on ça. Comme qu'on est n'a pas marre complot pour attaquer le coup, je suis prêt et me parer pour nous. OK? Et la nation, il prend note. Je dis à dire dans pays hein. C'est seule émission qui prend responsabilité pour dire mission dire. Même la dire il y a un problème oui là madame monsieur. Dire il y a un problème. Parce que les informations communiquées à cette émission concernant l'opération d'IE dans le pays sont tellement pertinentes, sont tellement vraies, que l'équipe de DIE actuellement en Haïti voyait mon côté le Gaudesi, puis on demandait pour le Gaudesi camper avec l'information parce que ça pourrait compromettre la mission qu'il a gagnée dans le pays. Écoutez, moi je ne travaille pas pour la DIE. Et la DIE mal placée pour demander pour me camper sur l'information qui est vérité, qui gagne pour le pays. Il faut payer à connaître. Dieu pas qu'on est que ici arrive le matin débat. Ici, Dieu pas qu'on est que tout le monde dans l'émission matin débat, regardez tout le monde nager. Écoutez, monsieur, faites votre travail. Faites votre travail. Nous-mêmes, on a fait partie par nous, on a fait travail par nous. OK? Journaliste qui traite de journaliste, pas un problème. Mais je dis, pays, ouais, que c'est vous-même qui journaliste. Parce que je dis, ou pas une figure quoi, dans la société, ça. Il faut quand même le reconnaître. Maintenant, si. C'est pour attaquer Lougo, soit par les amis, mais par n'importe qui va vouloir attaquer là, je suis prêt. Parce que je me dis ça, tout compte, tout ton émission que je fais dans la radio, banditisme. Par exemple, l'école qui dit, viens à prendre faire bandit là. Il faut toujours mettre en tête tout. L'autre prend décision pour tirer on est dans la rue, n'est-ce pas tout. Il y a tiré avant même ou même arriver sur lui. À bon entendeur, salut. Et puis autre chose également, mon frère. Guy Philippe est en route, est en voie d'avoir sa libération. Et il sera de retour en Haïti. Et dès qu'on est exactement ce qui est passé dans la radio, parola. Ma prépare pour Guy Philippe a tourné dans le pays. Et il connaît ce qui est passé dans la radio. Dans le petit peu, je vais tourner.
les jours, du lundi au vendredi, 10h, 1h. Et si il y a moyen, donc ils font arriver sur route 9 là, et vous nous connaissez donc comment la situation est. Alors, Loco, nous gagnons député Tanis. Oui, qui s'est invité le matin. Ouais, oui. Ouais. Mais puisque vous avez annoncé ça, en nous font 5 minutes, il faut parler de ça. Qu'on levé bouclier qu'a fait dans tout le pays là, au niveau éducation. Professeur prend la rue, gros paquet de parents qui a pas accompagné. Moi, tout département yo a levé. Que président Jovenel prend ça en considération. Ça pourquoi j'en fait pour finir facilement, comme il était. Un gouvernement qui sérieux ou pas qu'à permettre à ce que, au niveau éducation, dans tout pays, hein, tout département a levé, le coup, bagaille ça pour une plaisanterie. Donc, nous souhaitons à ce que pour gouvernement. C'est mauvais signal. Écoutez, très mauvais signal. Mais vraiment très mauvais signal. C'est le département qui a campé là. C'est tout département qui a campé. L'autre a fait manifestation. L'autre côté a fait manifestation. Tout partout a fait manifestation. Mais ça, bagaille, c'est pas possible. Faut que gouvernement prenne ça en considération. Que conseiller, bon, on toujours dit, pas qu'un conseiller, mais encore, que conseiller, président Jovenel, parle avec lui. Bon. Le Kosovo voulait parler de premier ministre là, mais bagaille comme ça, pas qu'il doit faire. Bon, il y a un gros problème là, bien entendu, il y a un problème sérieux. C'est pas possible. Il y a un problème sérieux. Et il faut que nous disions que, il y a tout qui va arriver par hasard, donc il y a un pays. Ok? Et il faut que nous disions tout que parallèlement, il y a des gens qui croient que le ministre de l'Éducation qui a la travail. Nous sommes travail, mais. Oui, mais. Bon bagaille qui wong. Mais si il y a une manifestation, si il y a jusqu'à présent, il y a des lycées qui ne peuvent jamais fonctionner, ça a gagné de cela 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Toujours qu'on pile professeur qui gagne 2, 3, 4 ans pour qu'on mette tout ça. Travail là, qui joue en travail là. Dis-moi dans qui sens qu'on travail là. Ça lié que c'est important. Parce que l'on enlevé chaque jour, bien matin à tout. Ou je veux une manifestation étudiant, manifestation professeur. Et puis, on n'a pas de paix pendant le week-end, non? Et, il y a des lycées pas fonctionné depuis bâtiment de moi. Ou qu'on est. Professeur parle de l'école, il parle dans le lycée, il parle de l'école. Bagay l'aime bien, red. Ou qu'on est qui fait, on pile tant de carrière, qui parle me toucher, nest oui, on professeur. Mais parle pas qu'à l'intérêt. Il faut pile moi dans le monde, même pour en parler, pas qu'après, on professeur de l'école. L'école, yeah. Écoutez, mais ça m'écoute. Non, écoutez, non, la situation. Alors, même sous ta éducation nationale, où tu es qu'on paye un professeur, ou vingt-deux d'elle mouille, pas gagne l'argent, comme si, bureau départemental l'a pas fait, comme si pas gagne moral même, bureau départemental, l'autant de gros professeurs, pas garanté parce qu'il pas gagne l'argent, combien l'argent on t'a pas le dépenser, même si tu fais un marathon au niveau professeur, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, bon. Il fait 10h48 minutes. Et maintenant, invitez-nous, donc, c'est député et Tanis. Jean Fenel. Et député Lila Vachla. Mais avant que nous allions avec le député Tanis, je dis à son émission, et nous avons deux points que nous avons.